moi le pouvoir. J'aimais passionnément les gâteaux, les bonbons et tous les plats sucrés, qu'ils soient légers ou non. Avec mes éléphants, mes chefs et mes commis, mes navires chargés de pisse et de confiserie, de quoi confectionner mille pâtisseries. J'étais à la recherche du plus exquis des mets, un loukoum très très sucré que l'on me fit goûter. Je me rappelle encore. Je trouve ce divin confiseur, un messager pointin, la lointaine gênée, suivant une comète. Je me laissais guider. Je rencontrai trois rois me parlant d'un enfant né à Bethléem il y a très peu de temps. Je me suis empressée, je m'y suis rendue. Un grand banquet pour les gens du village et je fus le témoin d'un autre affreux carnage. Les enfants, parlez-vous de ce massacre ! C'est là ma destinée, dont des larmes salées. Je poursuivis ma route. Le soir suivant, dans le luxe de son palais, entouré des beautés noires de soirée, un jour, il ne pouvait détacher sa pensée de lui. Au gré de ses pensées, Gaspard fit un rapprochement entre l'esclave blonde et la comète aux cheveux d'or, entrée toutes deux récemment dans sa vie. Biltine. La serait-elle? Pas justement cette calamité que la comète.